Alors, ton devoir aujourd'hui, c'est différent de l'habitude. Tu n'auras pas à réécrire un résumé, mais à trouver des phrases. Les phrases que je vais te dire, je veux que tu ailles les chercher dans le texte et que tu les écrives pareil, sans faire d'erreur, comme c'est écrit dans le texte. Alors, la première phrase à trouver à la page 130, euh, ils marchaient en silence et s'imprégnait de tout ce qui les entourait. Il traversait des parties chaudement ensoleillées, pénétrait sous le couvert de frais alliés pour sortir à nouveau dans de larges clairières parsemées de mousse. Et là, je t'arrête là, tu en as assez à écrire pour la page 130. Tu écris de Il marchait en silence jusqu'à mousse et là, tu vas mettre un point. D'accord? À la page 131, je veux que tu trouves la phrase et. Hey, comme le dégel durait déjà depuis un certain temps, ils comprirent que la sorcière ne pourrait plus utiliser son traîneau. Trouve cette phrase-là et écris-la. À la page 132, je veux que tu trouves la phrase. Juste au milieu du plateau se trouvait la table de pierre. Page 132. Juste au-dessus du plateau se trouvait la table de pierre. 133. Aslan se tenait au centre d'une foule de créatures qui s'étaient groupées autour de lui en formant un croissant de lune. Page 133. Aslan se tenait au centre d'une foule de créatures qui s'étaient groupées autour de lui en formant un croissant de lune. Page 135. Sa voix était profonde et riche et, d'une manière inexplicable, elle fit disparaître leur nervosité. Sa voix était profonde et riche et, d'une manière inexplicable, elle fit disparaître leur nervosité. Je veux aucune faute là. C'est du copier-coller du texte ça, là, là. Ok, bye.